l'habitude de la situation. Il y a un micro ou il n'y a pas de micro? Il y a un micro ou il n'y a pas de micro? Vous m'entendez un peu? Bon, on récapitule la situation. Ça fait 3 semaines à peu près que je pense que j'ai posé pour la première fois une question au ministère du Travail. Une question vachement compliquée. Est-ce que dans la loi El Khomri, il y a quelque chose qui permet de lutter contre ce qui se passe dans mon film, c'est-à-dire une entreprise qui se trouvait dans le nord de la France, qui part en Pologne, qui ensuite part en Bulgarie, qui ensuite risque de partir en Grèce? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la loi El Khomri pour lutter contre ça? Alors depuis 3 semaines, apparemment, il y a des conseillers techniques qui planchent sur cette question hyper complexe. Aussi, ensuite, on a donc... Ah, il y a un micro. Ouais, je vais continuer comme ça. C'est parti. Ensuite, comme j'avais pas de réponse, j'ai un peu squatté au ministère du Travail entre deux projections pour essayer d'avoir un rendez-vous. Et ça s'est terminé super bien, puisque on a eu un rendez-vous. Mathieu Souquière, conseiller stratégique quand même de Myriam El Khomri, nous a dit il n'y a pas de problème, la ministre s'y engage, je m'y engage. Et moi, quand il y a des promesses qui sont faites par un ministre, un gouvernement, un président de la République, je sais que c'est quelque chose qui est valable. Donc, j'ai quitté les lieux sans aucune difficulté. Ensuite, je m'a dit, dans le courant de la semaine prochaine, pas de problème. Donc, je suis revenu le vendredi. Et le vendredi, il y avait la très belle porte là-bas, là, vous voyez. On ne savait pas que ça se fermait comme ça, mais là... On a découvert qu'il y avait une porte comme ça, et je trouve ça très... Ah, elle s'ouvre. Ah ouais. Et on a trouvé ça très esthétique. Bon, et donc, parce qu'ils n'ont pas... Ils n'ont pas apprécié le... Ils n'ont pas apprécié le début de la série, qui pourtant était marrant, enfin moi je trouvais, mais bon, ils n'ont pas apprécié. Donc hier, on est allé à l'Assemblée nationale, on s'est dit, puisqu'on ne peut pas interroger le ministère sur le contenu de la loi El Khomri, il faut soit aller interviewer le MEDEF, soit les députés. Donc on est allé interviewer une série de députés, et on est tombé sur Isabelle Attard, députée du Calvados, et une députée sans parti par ailleurs. Et on s'est dit, je lui ai demandé, mais est-ce que vous ne voudriez pas venir interviewer, enfin poser la question à ma place? Peut-être qu'il y aura plus de chances si c'est vous qui posez la question que si c'est moi qui la pose. Donc elle a dit qu'elle était d'accord, elle était même d'accord. Je tenais à l'écharpe tricolore parce que vous avez vu que ça se passe tout de suite mieux quand on a une écharpe tricolore. Je tenais à l'écharpe tricolore et puis tu as dit que tu étais d'accord pour revêtir le bandeau. Là, il était trop chaud. Il est usé déjà parce que quand même je l'ai porté quelques fois. Tu veux dire qu'il y a l'odeur avec? Ah, il y a l'odeur avec. C'est sacré, hein. Après, ah bah oui. Après c'est collector. Après c'est collector. Oui. Je vous le laisse. Je l'offre. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, avec l'écharpe dessus quand même. Il faut les deux, quoi. Il faut les deux. Je te demande pas où a été fabriqué le t-shirt. Ouais, ouais. Alors, voilà. Je sais pas, est-ce que tu veux dire un mot? Est-ce que déjà d'après toi, dans la loi El Khomri, il y a ça? Alors, la loi El Khomri, tout le monde sait qu'elle est assez épaisse, hein, puisqu'il s'agit de simplifier le code du travail, donc c'est plus épais que le code du travail. Pour moi, c'est pas écrit. Je sais pas si vous entendez, parce que le micro, je crois qu'il marche pas. Okay. Non, on n'entend pas. En fait, d'après moi, c'est pas écrit dans la loi El Khomri. Il y a beaucoup de choses dans cette loi, mais il n'y a pas ça. Je sais pas si tu l'as lu aussi. Peut-être qu'entre-temps, ils l'ont rajouté. On arrive. Ah, bien. Ah non, c'est une ville comme ça. Ah, bon,
peut-être que depuis que tu squattes le ministère du Travail, il y a un conseiller spécial qui l'a rajouté, de façon à ce qu'il puisse nous dire là quand on va y aller que c'est dans la loi El Khomri. Bon, ça m'étonnerait. Mais c'est magnifique, ça serait un effet politique inattendu. Tu serais ultra efficace en tout cas, et tu mériterais peut-être d'être ministre à la place de... Ouais. Donc, tu es d'accord pour leur poser la question ? On va poser la question. Ah, par contre, alors, la com, normalement, on peut toujours accéder à l'entrée, c'est eux qui nous passent la com du ministère. J'ai pas le numéro de la com, moi. Est-ce que quelqu'un a un téléphone pour regarder le numéro de la... que je vais croire que c'est aussi compliqué que ça et que la langue de bois habituelle du discours politique va me suffire. Je suis désolée, pour moi ça fait 4 ans que ça dure. Mais, mais arrêtez, ça devient ridicule, je veux dire, tout le monde s'en aperçoit. Pour le chauffe, clairement, il faut maintenir la pression. En plus, grâce à la pression, le projet de loi a été reporté, donc là, il est présenté ce 24 mars. Et maintenant, il faut obtenir le retrait. Et ça passe par une mobilisation tous azimuts le 31, donc dans la rue évidemment. Et après, rester. Moi, j'aime bien le concept de nuit debout. Ça me rappelle quand les indignés ont occupé les places. On a besoin de ça aussi. Il commence à faire beau, donc on peut en profiter. Alors, sur ce qui s'est raconté là avec le ministère, grâce à la médiation de l'écharpe tricolore, le Calvados pour que Paris parle à la Picardie. Et donc, on a un rendez-vous le mercredi 6 avril à 17h pour répondre à la question qu'ils auront le temps d'avoir potassé sur ce sujet pendant un mois. Donc, la réponse devrait être rodée. Sachant que ça va donner lieu à deux films. Un film que nous on fera, et comme on sera filmé en même temps pour voir si le montage est correct et tout ça, il y aura un deuxième film qui sera soutenu par le ministère, et on mettra les deux films sur notre page Facebook et on verra lequel est le plus liké. Ce que je voulais dire, c'est la même chose que François, c'est que c'est mieux quand on est soutenu. Et je peux vous assurer d'une chose, je l'ai dit à certains, mais c'est vrai, que depuis presque 4 ans, je me sens un tout petit peu toute seule là-haut, enfin à l'intérieur du bâtiment qui est là-bas, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Et s'il n'y avait pas sur les réseaux, les témoignages, les encouragements, ça fait bien longtemps que j'aurais arrêté de me battre, parce que c'est beaucoup trop dur de se battre tout seul. Ça, c'était le premier message, mais aussi j'ai eu plusieurs, mais ça, c'est le plus important, je crois. Et Myriam passe. Myriam passe.